Bonsoir à tous. Je vais commencer par quelques petites citations et vous allez jouer à chercher qui en est l'auteur. Encore une petite question. Pour toi, les choses belles ne sont-elles pas, les choses bonnes ne sont-elles pas en même temps belles ? Comment se fait-il que presque tous les hommes soient d'accord qu'il y a un beau ? Qu'il y en ait tant entre eux qui le sentent vivement où il est, et que si peu sachent ce que c'est. Une belle théorie n'est pas forcément correcte, mais une théorie laide est presque certainement erronée. Vous aurez reconnu les voix de Socrate, de Diderot et de Jacques Monod, cités par Jean-Pierre Changeux, dont j'ai plaisir à rappeler ici les 30 années de cours au Collège de France, dont rencontre un ouvrage au titre platonicien « Du vrai, du beau ». Du bien. Alors, pour tenter de répondre à Diderot, comment savoir ce qu'est cette beauté qui est si fondamentale dans l'élaboration de la connaissance humaine et qui semble aux anciens comme à nos contemporains presque constitutive du rapport de l'homme au monde, à la transcendance, à autrui et à soi-même. Fondamentale, mais en quel sens ? Dans ces représentations, dans ces manifestations qui sont si diverses, marquées par l'histoire, par les religions, par les traditions, ou comme objectif, ou comme moyen, ou encore comme opérateur de construction du monde et de construction de soi, ou encore comme résultat, par exemple, le résultat de l'évolution, ou de la façon dont se construit le cerveau du fœtus. Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que veut aborder la nouvelle chaire de recherche fondée par l'université PSL avec le soutien du mécénat de L'Oréal. Paris Sciences et Lettres est le lieu idéal pour une recherche collective de cette ampleur. Les sciences dures, les humanités, les sciences sociales, l'ingénierie, les arts, le milieu médical ont tous et toutes un rapport à la beauté, même s'ils ne le savent pas toujours, et tous vont travailler ensemble sur ce sujet pour la première fois. Alors comment ? Notre idée est de créer un milieu qui soit propice à cette recherche commune. Nous avons un comité de pilotage qui est un groupe pluridisciplinaire où vous avez un neuroscientifique, François Jouan, une anthropologue, Claudine Cohen, un biochimiste, Jacques Leclerc, une écrivaine, Kauter Hadimi, un philosophe, Frédéric Worms, la présidente de la Fondation L'Oréal, Alexandra Palt, un physicien, Rémi Carminati, et une historienne des textes. Ce comité de pilotage a vocation à s'élargir. Il y manque encore la création artistique, l'ingénierie, les mathématiques, la sociologie et bien d'autres spécialités encore, probablement. Mais la chaire est d'abord le lieu de rencontre de jeunes chercheurs. Elle va recruter 2 doctorants et 2 chercheurs postdoctoraux, et elle est animée par un coordinateur scientifique, Justin Jaricot. Elle agrège à ce petit groupe de jeunes docteurs distingués par son prix de thèse, que vous allez découvrir tout à l'heure. Elle constitue ainsi progressivement un petit monde de jeunes bouillonnants d'inventivité et d'initiative qui vont créer un séminaire, qui vont préparer des rencontres, qui vont travailler à l'écriture probablement d'un ouvrage final, et sans doute inventer, chemin faisant, de nouvelles formes de recherche et de médiation, c'est du moins ce que j'espère. Et il y a les conférences. Nous avons imaginé un cycle de conférences à 3 voix, dont le but est de multiplier les points de vue sur un même objet, de façon à féconder la réflexion de ce petit écosystème des beauty studies, comme l'a dit Frédéric Worms, et de façon à le faire rayonner. Et chaque séance sera modérée par un des membres du comité de pilotage. Nous ouvrons l'ensemble du cycle, modestement, par la question du rapport entre beauté et vérité, qui traverse l'ensemble des autres questions. Les intervenants parleront tour à tour, puis ils débattront, et bien évidemment, nous prions le public de bien vouloir intervenir et d'échanger avec les invités. Ce soir, conférence inaugurale de la chaire, vous seront présentés aussi notre première doctorante et les premiers lauréats de notre prix de thèse. Je vous inviterai ensuite à un cocktail. Mais avant le cocktail, revenons au banquet et à nos invités. Je passe la parole à Frédéric Worms,
qui est philosophe, qui est directeur adjoint de l'École normale supérieure et qui va lancer et modérer les débats de la soirée. Merci Frédéric, la parole est à toi. Merci Anne-Marie, merci à tous ceux qui ont rendu cet événement possible, PSL, le mécène, L'Oréal et tous ceux qui vont participer à cette chaire d'une manière ou d'une autre, y compris évidemment le public et tous ceux qui, pour qui la beauté est une question vivante. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer, mais je ne pensais pas prendre la parole d'ici, plutôt amener tout le monde ici et puis commencer à animer là. Donc j'invite nos invités, Vincent Delcroix, Marie-Josée Malice et Julien Renaud, je ne veux pas me tromper sur le prénom, pardon Julien, et à me rejoindre. Donc, peut-être vous pouvez vous asseoir là et peut-être celui qui parlera viendra ici. Donc je continue pendant un instant pour vous présenter pendant que vous vous installez. Donc je suis très heureux de l'occasion d'animer ce premier débat qui va vous montrer à quel point la beauté dans ce projet, comme l'a déjà dit Anne-Marie, est perçue comme un catalyseur. On peut être très surpris, on peut aussi être heureux et même fier, disons, de comprendre que la beauté ici est une question qu'on perçoit comme le catalyseur de PSL, des recherches interdisciplinaires en sciences et en lettres, dans toutes les disciplines. Et aujourd'hui, nous allons en avoir un exemple avec la philosophie, la biologie, le théâtre, chacun étant d'ailleurs multiple, puisque chacun des intervenants qui est là a plus d'un rapport à la question de la beauté. Et le point qui est très frappant, c'est que de voir comment les sciences et les lettres peuvent converger dans la beauté, faire d'elle une question véritablement de recherche, au sens le plus rigoureux, le plus indépendant, le plus interdisciplinaire du terme, et aussi à la formation avec des doctorants, des post-doctorants, des collègues de toutes disciplines qui participent au programme, une ouverture aussi sur tous ceux qui travaillent sur la beauté, ça nous paraît fondamental. Le dernier point que je voudrais indiquer pour introduire, et après ce sera une transition vers les exposés dont je vous indiquerai l'ordre dans un instant, c'est sur le thème de la journée, de la table ronde, disons, de ce moment de réflexion partagée. De même que la beauté, pour nous, est à la fois une évidence, disons, et une convergence entre les différentes recherches, d'ailleurs très nouvelles, qu'il aborde aujourd'hui. Hein. Peut-être on pourrait avoir eu un mathématicien, par exemple, côté scientifique, un physicien, on pourrait avoir eu n'importe quelle science, mais pour moi, c'est très révélateur et symbolique qu'on ait le vivant, les sciences du vivant qui soient représentées. Je pense qu'il se passe quelque chose là aussi de très nouveau sur la question de la beauté, de nous renvoyer au sentiment peut-être biologique, vitaux, qu'on peut avoir de la beauté. Mais le point qui est très frappant aussi, c'est que c'est le thème que qui nous est proposé aujourd'hui. Je dirais que personne ne sait vraiment ce qu'est la beauté, personne ne sait vraiment ce qu'est la vérité. Il y a aujourd'hui des controverses sur la vérité, et pourtant, on a tous le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre beauté et vérité. Donc, la beauté est un mystère, la vérité est peut-être un mystère aussi, mais beauté et vérité, il y a quelque chose d'évident. Et peut-être d'ailleurs que vous allez le déconstruire, peut-être que ce n'est pas si évident que ça, peut-être qu'il y a aussi des pièges, peut-être qu'il faut une vraie critique de la beauté pour comprendre quel est son lien avec la vérité, peut-être qu'il faut une critique d'une vérité qui serait simplement séduisante ou qui aurait une beauté un peu facile, peut-être que ça va être critiqué, mais il y a quand même un lien qui me paraît évident et que vous allez discuter. En tout cas, c'est souvent le cas en philosophie aussi, qu'une notion peut être opaque si on la prend toute seule. Deux notions peuvent être combiner leurs opacités si on les juxtapose, et leur rencontre peut être une évidence. Et donc, c'est ça que nous allons examiner aujourd'hui. Donc, nous allons avoir trois interventions d'un quart d'heure chacune, puis une discussion. On a proposé que ce soit le philosophe, mais aussi écrivain, Vincent Delcroix, qui est directeur d'études à l'EPHE en philosophie de la religion, mais aussi écrivain. Et il y aurait plus d'un « mais aussi » qu'on pourrait ajouter, qui va ouvrir le bal. Vincent Delcroix a notamment publié une somme de philosophie de la religion introduite, ici commence le pays de la vérité. Donc nous allons voir
de quelle carte il va nous proposer. Après Vincent Delcroix, nous écouterons l'intervention de Marie-Josée Malice, qui est metteur en scène, directrice de théâtre, directrice bien connue d'un lieu de théâtre bien connu, où il y a beaucoup de rencontres aussi interdisciplinaires, notamment entre la philosophie et le théâtre, hein, au théâtre d'Aubervilliers, au centre dramatique de la commune d'Aubervilliers, et où il y a une école aussi. Et moi, j'ai tendance à dire que... On a vraiment fait quelque chose dans la vie quand on a créé une école, quand on a fait quelque chose dans une école. Et je pense que c'est vraiment... chez Bergson, d'ailleurs, qui est un philosophe que j'ai contribué à étudier récemment avec d'autres, il définit le mystique par celui qui crée une école. Qui crée des institutions, pas forcément une école, mais qui crée quelque chose. Et les institutions sont nécessaires, et d'ailleurs merci au Collège de France aussi de nous accueillir. Et puis, enfin, nous aurons l'exposé de Julien Renoux, qui est biologiste, comme je le disais tout à l'heure, chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Et il suffit de lire quelques-uns de ses sujets de recherche ou de ses articles pour comprendre à quel point la question de la beauté aujourd'hui rencontre celle du vivant. On a peut-être tous, pour parler de la beauté des visages féminins, plutôt en tête l'histoire de la peinture, l'histoire de la littérature aussi. En même temps, un lien et une réticence à la lier à des réflexes biologiques. Est-ce que c'est ça qui nous attire? Quel est le biologique derrière cette admiration? Il y a une étude de Julien Renoux sur l'attractivité des visages féminins. C'est donc aussi quelque chose sur une ligne de crête, hein, entre, je ne sais pas, une tendance philosophique à réduire la beauté à un masque qui cache des instincts et de l'autre côté peut-être à idéaliser la beauté en dehors de la vie. C'est l'expérience, là, c'est la science elle-même qui va nous dire ce qu'il en est. Donc ce sera vraiment un système d'écho entre ces exposés qu'on va vous proposer sans qu'ils se soient concertés. On verra quels échos vont surgir et ensuite on passera la parole au public pour une discussion. Donc je remercie Vincent de... Peut-être on va faire comme ça, chacun se succédant ici, avant de revenir... Merci beaucoup, Frédéric. Merci à tous de votre invitation. Pour vous récompenser de l'honneur que vous me faites, je vais vous raconter une histoire triste, qui commence mal, qui se termine temporairement mal. Et c'est celle de la philosophie occidentale. Rien que ça, du reste, c'est une histoire qui est assez bien connue, mais je vais insister surtout sur son début et sur sa fin. Enfin, je ne sais pas si c'est la fin maintenant, mais en tout cas, c'est la fin pour l'instant. Et je vais surtout insister sur son début. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, on l'a déjà souligné, on a fait allusion à Socrate, la relation entre beauté et vérité est pratiquement aussi ancienne que la philosophie elle-même. Et cette longévité, elle la doit sans aucun doute à la providence et à l'enracinement de la philosophie dans la culture grecque. Ce faisant, elle a laissé à la philosophie à la fois sa motivation première, je vais y revenir, et un problème insoluble qu'a évoqué, indiqué Frédéric à l'instant. L'assimilation de la beauté à l'ordre, et à l'ordre cosmique au premier chef, à l'ordre de l'être, finalement, à sa perfection, explique incontestablement ce tropisme. Si la philosophie prétend se hausser à la pleine vision de cet ordre, comme savoir vrai de l'être, elle se fait indifféremment et naturellement contemplation et jouissance de la beauté. Le beau devient ainsi l'objet suprême de la connaissance spéculative. Et lorsque l'ordre est finalement assimilé au logos, le savoir, qui est en même temps jouissance du beau, devient assimilation de la raison à elle-même, c'est-à-dire vérité. Mais, dès le début, cette aspiration, voire cette ascension de l'âme vers le beau, qui est la motivation première de la philosophie, est non seulement un cheminement périlleux, mais un problème. La motivation première de la philosophie, mais aussi son plus grand danger. Alors qu'elle soit la motivation première, nul n'en rendra mieux compte, comme chacun sait, que Platon, qui, pour des siècles, lègera à la culture occidentale cette relation organique entre beauté et vérité,
et d'abord entre le vrai et le beau, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et selon une hiérarchie qui est loin d'être simple et univoque, entre le beau, le vrai et le bon. Car hiérarchie, il y a. Car la relation entre beauté et vérité est incompréhensible sans le couronnement du bien. Nul n'en rendra mieux compte, plus précisément, que la formulation socratique de la philosophie, elle-même comme éros, comme désir, qui est d'abord, comment pourrait-il en être autrement, désir du beau. Or, l'émergence de la philosophie au sein de la culture grecque, de la beauté, d'une culture de la beauté, voire dans ce que Hegel qualifiait chez les Grecs de religion de la beauté, cette émergence s'établit de manière paradoxale, voire contradictoire. Ce paradoxe tient à un principe logique et à un principe ontologique, et ces deux principes convergent dans une image ou une figure. Et je vais suivre ces trois points. Le principe logique, il est tout simple, d'ailleurs comme les autres, c'est que si on aime la beauté, si on l'a, plus précisément, si on la désire, c'est que, par définition, on ne la possède pas. Il est probable, dès lors, que le philosophe, celui qui aime ou désire la beauté, ne soit pas lui-même beau. Ce qui est déjà un problème, ce n'est pas simplement un principe. Hein. Le second principe, donc ça c'est plutôt de l'ordre du logique, c'est tout simple, vous désirez ce que vous n'avez pas. Bon. Voilà, c'est peut-être une motivation psychologique aussi, mais ça c'est autre chose. Le principe ontologique, quant à lui, c'est que la beauté est d'abord objet de la sensibilité. Le beau, et les Grecs en étaient particulièrement bien renseignés, le beau est beauté de la forme, et cette forme est celle des apparences sensibles. Mais dans ce cas, l'assimilation ou la relation organique entre le beau et le vrai se trouve dramatiquement compliquée dès lors que le grec se met à soupçonner, malheur, que le vrai se tient sous ou derrière les apparences ou le phénomène ou le sensible, dès lors qu'il se met à croire que ce qui apparaît n'est pas le tout de l'être, et même qu'il en est peut-être la dissimulation ou l'altération, bref, dès lors qu'il commence à se faire métaphysicien. Voilà que le beau immédiat, celui qui ravit les sens et dont on jouit par le corps, n'est plus vraiment beau. Voilà que le beau se dédouble et que la belle relation entre beauté et vérité reflue dans les arrière-mondes. C'est la malédiction originelle qui frappe la Grèce, et cette malédiction se nomme philosophie. Depuis, la philosophie et la conscience occidentale, avec elle, courent après cette identité rêvée, fantasmée et toujours rejetée à l'horizon, à mesure qu'on s'en approche, entre le beau et le vrai. Et sa christianisation ne fera évidemment qu'envenimer le problème. La méfiance spéculative à l'égard du beau, qui pourtant continue de constituer la polarité ultime du savoir philosophique, est incurable. Et on pourra regarder toute son histoire, à l'exception peut-être de Nietzsche, mais ça c'est un autre... Bon, bref. Comme l'ensemble des tentatives répétées pour réarticuler tant bien que mal ce que cette méfiance désarticule sans cesse pour notre plus grand désespoir esthétique. Un des jalons les plus significatifs, peut-être, ça pourrait être la troisième critique de Kant avec l'idée énigmatique du beau comme symbole de la moralité. Alors, bien entendu, les Grecs n'ont pas attendu Socrate attendu l'invention socratique de la philosophie, après les physiciens, pour concevoir quelques méfiances à l'égard des séductions de la beauté et du trouble jeu qu'elle jouait avec la vérité. Et si je devais citer un exemple parmi d'autres à ce propos, le plus beau à mon avis, ce serait assurément Homère et la scène érotique du chant 14 de l'Iliade, où Héra décide de se faire belle pour séduire à nouveau son époux, comme chacun sait, Volage, et l'endormir dans ses bras pour que, pendant ce temps-là, les Achéens puissent s'étriper, enfin plutôt étriper les Troyens, en toute tranquillité. Alors, cette scène est extraordinaire à plus d'un titre. Je l'ai ramenée, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous la lire. C'est bien dommage, je vous renvoie à ce passage qui est absolu, qui décrit la manière dont Héra se part de la tête aux pieds, puis il vient demander des conseils à Aphrodite parce qu'il semble qu'il lui manque quelque chose. Aphrodite
donne cet élément sur lequel je vais revenir immédiatement décisif. Donc cette scène est extraordinaire à plus d'un titre, mais elle l'est en particulier pour une caractéristique stupéfiante, et je dois cette remarque à Marc Delaunay qui m'a rappelé, c'est que le terme qui définit la beauté céleste d'Héra une fois toute parée, entièrement, et qui doit notamment l'excellence de cette parure à l'invention par Aphrodite du soutien-gorge, parce que c'est exactement ce que décrit le chant 14, elle lui donne une ceinture qui lui sert de soutien-gorge, et le terme qui décrit l'aspect d'Héra dans sa beauté parfaite, c'est cosmos. C'est cosmos. Et c'est une des premières occurrences du terme en grec. Donc du cosmos à la cosmétique, c'est toute l'histoire. Les Grecs sont donc avertis les premiers. Ils en jouissent avec délice. La beauté est une ruse de l'ambivalence séductrice de cette beauté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une aversion incurable et pas la moindre fascination à l'égard de ce qu'ils regardent comme laid. Alors j'ai dit que le principe logique et le principe ontologique convergeaient dans une figure ou une image. Cette figure, bien sûr, c'est Socrate, dont nul n'ignore qu'il avait une caractéristique remarquable. Il était notoirement et incroyablement laid. Que la source singulière de l'aspiration spéculative à la beauté soit la laideur, littéralement incarnée dans le corps, c'est plus qu'une fatalité, c'est une incurable tare de naissance. Et à juste titre, Nietzsche y voyait le signe explicite de la destruction de la culture grecque par la philosophie, l'épouvantable infection de l'amour naïf des apparences par le vice métaphysique. Car à dire vrai, la laideur de Socrate n'eut pas seulement pour effet d'humilier cet amour de la belle forme, mais de le pervertir, de réaliser une odieuse et durable imposture, une escroquerie spéculative, qui du reste est aussi un merveilleux cadeau, parce qu'elle assure aux philosophes leur emploi à vie, à défaut d'assurer leur retraite d'ailleurs. Mais l'escroquerie historique, en l'occurrence, c'est d'avoir réussi à faire croire que le beau n'était pas le beau. Et on peut même donner un nom propre, au premier de ces escrocs, c'est Alcibiade. La célèbre louange qu'il adresse complètement ivre, faut-il le souligner ou le rappeler, à Socrate dans le banquet, dialogue sur l'amour, donc dialogue sur l'amour du beau, et donc sur la philosophie. Donc Alcibiade réussit ce tour de force à littéralement déboîter, car il est littéralement question de boîte, le beau de la laideur grotesque de Socrate. Une bonne partie de la culture occidentale, en tout cas de la philosophie occidentale, tient à une comparaison triviale, et plus précisément à un objet manufacturé dérisoire, une boîte à onguents. Une boîte à onguents. De la forme extérieure d'un silène, c'est-à-dire un grotesque, littéralement, qui renferme, sous ses apparences comiques, laide, dérisoire, le plus pur et le plus suave des parfums. Voilà à quoi tient toute la spiritualité occidentale, à la frustre ironie d'un artisan des quartiers populaires d'Athènes. On peut croire que si ce type n'avait pas inventé ce genre de colifichet bon marché, on n'en serait pas là. Depuis, la laideur de Socrate poursuit et hante la philosophie. Je ne dis pas qu'elle est allée jusqu'à nous faire aimer la laideur, bien que ce soit ce qu'incite finalement à faire Alcibiade, lui le plus bel homme de la Grèce par ailleurs. Mais c'est tout de même une malédiction lourde à porter, bien qu'elle fasse de la philosophie une exaltante lutte et perpétuelle lutte contre la laideur. C'est sans doute la raison pour laquelle il faut des chairs de beauté qui sollicitent un peu la philosophie, parce que nous en savons long. Dans notre chair, nous savons à quel point la question de la beauté est une plaie. Et du moins, ça nous évitera de livrer, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, parce qu'en réalité, cette histoire commence mal, mais se termine mal aussi. Ça nous évitera, en tout cas, et Frédéric y faisait allusion, de livrer un culte naïf et irresponsable à la beauté. Et en guise de conclusion, je citerai simplement une phrase qui devrait renverser tout ce que je viens de dire, et qui le renverse effectivement, et qui me paraît nécessaire de méditer. C'est une phrase d'Adorno, dans les Minima Moralia, qui dit « Même l'arbre en fleurs ment, dès l'instant où on le regarde fleurir en oubliant l'ombre du mal. » Beauté et mensonge sont renversés ici, de telle sorte que
Ce qui s'attache à l'exercice de la philosophie, c'est bien plutôt, comme Frédéric l'indiquait, à déconstruire cette notion fatale de beauté, parce que la beauté ment, parce qu'elle donne l'image réconciliée d'un monde en vérité déchiré et mutilé. Arracher la beauté à la fatalité de ce mensonge et de cette dissimulation, c'est ça l'objet de la philosophie. Je vous remercie. Vous conviendrez qu'on a bien fait de forcer Vincent Delcroix à venir faire cet exposé ce soir. On a beaucoup de questions à lui poser, mais je vous propose, comme convenu, qu'on garde les questions pour les résonances entre les trois exposés. Donc, c'est Marie-Josée Malice qui va maintenant intervenir. Bonsoir. Donc, je suis directrice de théâtre et metteur en scène. Lorsque un acteur travaille un texte, il cherche un dire plus vrai que celui dont nous disposons dans la vie quotidienne. Il le cherche en essayant de penser que veut dire ce que je dis. Et quand il se pose cette question, il se demande que veut dire ce que je dis pour ma propre vie, pour la vie de ceux que j'aime et pour le destin collectif. Il fait de la parole un plan de conséquences. Et se plongeant ainsi dans l'interrogation sur les conséquences, il découvre des affects qui étaient liés à ce qu'il dit. Il découvre des références, des images et une sorte d'athlétisme éthique. Il engage sa responsabilité. Il se demande, ai-je raison de le dire et comment le dire avec justesse. Et faisant cela, il parle en nouveauté. La parole qui sort de lui a des modulations, des formalisations nouvelles. Et c'est à ce moment-là que dans le théâtre, on a le sentiment d'accéder et à du beau et à du vrai. Donc j'ai introduit ma petite allocution en rendant hommage à ma pratique. Mais à vrai dire, ce n'est pas tout à fait de théâtre que je vais vous parler aujourd'hui, mais plutôt de la question générale qui m'est apparu devant ce sujet saisissant, qui était « Mais que faisons-nous, les artistes contemporains, de la beauté et de la vérité ?» Comme c'est un grand sujet, très vaste, je ne vais vous présenter que quelques hypothèses partielles et discutables. Il fallait bien que je me donne un moyen d'y entrer. Alors, donc il est commun de constater que l'art contemporain a des rapports ombrageux avec la question de la beauté. Il la conteste souvent, et l'art contemporain conteste souvent la beauté au nom de la vérité. Moi-même, dans mon art, qui est celui du théâtre, donc, comme je vous l'ai dit, je cherche un dire qui soit plus vrai, et j'inscris au cœur de ma conviction le fait que ce dire plus vrai puisse être jugé inconfortable, voire laid, par certains, ce qui ne manque pas de m'arriver, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'aimerais du coup vous parler de ce que je crois qui nous est arrivé. Donc, je retiendrai cette hypothèse platonicienne et dont on a déjà entendu parler ici, qui est qu'en effet, vraisemblablement, le beau est l'indice du vrai. La beauté, pour moi, est une chose toujours double en vérité. Elle consiste par elle-même. Une forme belle est une forme parachevée. Elle se tient dans la paix de ce qu'elle a résolu. Et elle est ainsi singulière, d'une dignité aimable à laquelle rien ne peut se substituer. C'est cette forme que l'on contemple, que l'on adore, qui nous fait jouir, et aucune autre ne peut venir à sa place. Mais en même temps, elle est langage, indice d'autre chose, dont elle tient l'énigme formulée dans ses traits. La beauté nous parle d'elle-même, et cette elle-même nous fait toujours sentir qu'il a fallu résoudre un impossible. Et que cette résolution des contradictions, cet impossible, cette résolution, elle n'est toujours que contingente. Elle est toujours incarnée, matérielle, incorporée dans le sensible. Donc, souvent, la beauté nous fait entendre qu'elle a dû traverser ou retenir
l'impossible de l'éternité et du périssable. C'est ce que je crois, on sent par exemple dans le glamour, hein, l'éclat de la surface brillante de la vie, retenue avant la mort et le périssable. Lacan dit la fonction du beau, le beau étant précisément ce qui nous indique cette place du rapport de l'homme à sa propre mort et qui ne nous l'indique que dans un éblouissement. Je crois que l'art contemporain est celui qui a le plus ouvert ses portes à cet impossible, ce réel, donc, dirait Lacan, dont la beauté nous parle en des termes qui à la fois le désignent, plus que jamais, l'éblouissement, et à la fois le reprennent dans une possibilité. Nous ne sommes pas voués à la destruction, à l'impossible. La beauté le reprend dans une possibilité qu'offre l'imaginaire et le symbolique. Donc, pour le dire autrement, la beauté nous parle de ce qui nous défait, mais elle nous en parle, et cela fait rempart à la destruction elle-même. Elle nous le restitue dans notre corps et dans notre esprit, en coordonnées de plaisir. Si l'art contemporain a le plus ouvert ses portes à ce réel, ce qui, de la réalité, est à ce point évacué, susceptible de défaire nos assises, c'est peut-être qu'il disposait d'une autre conception de la vérité. La vérité, il nous est arrivé quand même le XXe siècle, en fait. Et avec lui, donc, beaucoup de désastres et beaucoup aussi de trouvailles. La vérité au XXe siècle, on le sait, n'était plus une. Elle n'est plus une totalité révélée et pleine. Ce n'est plus la vérité qui a pris une forme rigide d'un savoir qu'on pourrait opposer aux autres, pas plus qu'une vérité qui serait une simple opinion, c'est-à-dire ce dont on peut parler, dans une sorte de détachement subjectif. L'une et l'autre de ces postures produisent en réalité la défaite de l'idée même de vérité, qui n'est ni un savoir ni une opinion. Je crois que l'art contemporain dispose en effet d'une nouvelle conception de la vérité ou définition de la vérité, qui, comme le dit Lacan, alors vous allez voir que c'est mon guide, qui nous dit « la vérité est finalement et littéralement un trou dans les savoirs ». Donc la vérité n'est pas une certitude pleine, elle est donc ce qui fait trou dans les savoirs. Elle est plutôt ce qui manque, le manque de ce qui était dit, ou vu, ou pensé. Ce qui manquait à être dit, vu, ou pensé. Elle est, nous dit Lacan, toujours mi-dite, à moitié dite, mi-dite. Je crois que l'art contemporain fait son solde de cette déclaration, à savoir qu'il y a de la vérité, mais cette vérité n'est jamais qu'une production, n'est jamais qu'un dire, elle n'est jamais que dite, et sans ce dire ou cette production, elle n'existe pas. Mais cette production, le fait que la vérité est toujours l'enjeu de quelque chose qui est produit par l'homme, qui n'existe pas en dehors de cette production est soumise à des limites structurelles. Et c'est cette limite même qui, quand on y aborde enfin, et qu'on sait la mettre en œuvre, sans déni, c'est cette limite qui fait œuvre de vérité. Dans l'art contemporain, nous disposons donc d'une conception de la vérité qui serait un dire qui contient sa propre impossibilité. Je recite Lacan, « Le rapport de l'homme à son manque à être, l'homme entend que le langage exige de lui de rendre compte de ceci qu'il n'est pas. » Donc ce n'est pas, vous l'entendez, une vérité pleine, rassurante, c'est plutôt une vérité qui est du côté de la défaite de la maîtrise, la défaite de toute possibilité de maîtrise absolue, castration de notre toute-puissance, cette cession de la maîtrise que l'art moderne a, à sa manière, a mis au cœur de sa probité. Le fait de renoncer à prétendre que nous pouvons tout dire, tout maîtriser, et prononcer cela faisant fonction et œuvre de vérité, mais d'une vérité nouvellement conçue. Vous l'entendez, ce n'est pas du tout un nihilisme, c'est compliqué.
Mais ce n'est pas un nihilisme, ce n'est pas un scepticisme. Ce trou, ce manque à dire, fonde aussi une plus grande hospitalité et une plus grande fraternité, à vrai dire, puisqu'il nous épargne la maîtrise de quelques-uns et nous fait frères devant ce manque. En vérité, c'est ce que l'art contemporain a mis, je crois, le plus au-devant de sa pratique. Je dois dire que l'art avant l'art contemporain et l'art moderne l'a fait aussi, mais peut-être en des termes moins dramatiques ou moins expressifs. Voyons. Donc, dans l'éthique de la psychanalyse, Lacan parle de la beauté d'Antigone. Il dit, parlant de la beauté d'Antigone, que la beauté est toujours l'indice que derrière, il y a quelque chose d'autre, une vérité. Il parle, je le cite, « le beau dans son rayonnement éclatant, ce beau dont on a dit qu'il est la splendeur du vrai, c'est très évidemment pour autant que le vrai n'est pas bien joli à voir, qu'il est, sinon la splendeur, tout au moins la couverture. » Qu'il en est, sinon la splendeur, tout au moins la couverture. Pardon. « C'est très évidemment pour autant que le vrai n'est pas bien joli à voir, qu'il en est, sinon la splendeur, tout au moins la couverture. » La beauté d'Antigone, qui éblouit ceux qui l'entendent, le cœur, est le dernier rempart de feu et de lumière et d'éclat avant le réel, avant quelque chose de terrible, qui est une jouissance au-delà du principe de plaisir. Donc, un rempart, la beauté d'Antigone est un rempart avant la pulsion de mort, avant la vérité, donc, mais qui n'est pas, on le voit, une vérité de certitude radieuse, mais qui est la part de négativité, ou de manque, de trou, de dislocation, du mi-dire, ce qui, dans le dire, est la part d'impossible à dire. Pas au sens de seulement « je n'y arrive pas », mais au sens plus radical du manque constitutif, du trou dans le réel lui-même, de cause absente autour de laquelle nous tournons et qu'Antigone essaie de faire advenir comme telle. Ces épousailles avec le délié, l'obscur, toute la tragédie, nous parlent du désir qu'a Antigone d'épouser l'obscur. La beauté est donc avant que n'ait lieu la rencontre avec un vrai plus terrible, qui est que nous sommes aussi destruction. Avec Antigone, nous dit Lacan, nous sommes sur la barrière du désir. Et c'est un désir qui peut aller au-delà du bien, au-delà du principe même de plaisir. C'est un désir de mort, c'est la pulsion de mort, c'est le désir d'épouser le rien. Lacan dit, et si le bien constitue le premier réseau d'arrêt de ce désir fou, de ce désir sauvage, le beau va plus près et lui très sérieusement nous arrête. Il nous arrête, mais aussi il nous indique dans quel sens se rencontre, se trouve ce champ de la destruction. Donc, la beauté ainsi conçue comme rempart, c'est cela que l'art contemporain s'est mis à soupçonner. Et moi aussi, à vrai dire, l'art contemporain, à sa manière, a essayé et essaye encore plus de désigner que la beauté est une barrière, et l'art contemporain essaie de désigner que cette barrière a fonction de l'heure. Et parfois, l'art contemporain essaie de passer la barrière. L'art contemporain est à la recherche du réel. Je vais vous en donner une manifestation un peu malséante et grotesque. Je dirais ainsi, si vous aviez par exemple invité Jean-Luc Godard à ma place, par exemple, nul doute qu'il aurait introduit ce réel dans cette conférence même, en ne taisant rien des aspects politiques de son contexte, par exemple, en vous parlant du sort très problématique de la recherche en France et du sort fait aux chercheurs, en ne taisant pas non plus que L'Oréal est problématique en soi aussi, où la question de la beauté et du périssable se conjoignent assez bien. Donc l'art contemporain essaie de faire des effets de réel comme cela, quitte à renoncer au bon goût, mais je pense que Godard l'aurait fait avec bien plus de brio. Et il l'aurait fait aussi, comme je le fais, en me servant de lui, parce qu'il y a aussi une déclaration de confiance
dans le fait que nous pouvons être tous très intelligents collectivement et dépasser les effets de fétiche ou de leurre. Dans l'œuvre contemporaine, donc, il y a à dire ce qui ne saurait être dit. Et pour cela, souvent, l'œuvre contemporaine renonce à la beauté. Quand elle est ce qui nous tient devant la chose qu'elle filtre ou qu'elle masque. L'œuvre d'art moderne a fait souvent ce choix de renoncer à la beauté dont elle était capable. Je ne dis pas que l'œuvre contemporaine renonce à une beauté facile ou bêtasse ou d'enjolivure ou condamnable, mais souvent l'œuvre contemporaine renonce à une beauté immense qui est attestée d'une immense capacité. Et pour vous faire comprendre cela et pour conclure, je vais vous donner l'exemple que j'emprunte à un ami compositeur, François Nicolas, qui est l'exemple de l'opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron, dont vous savez qu'il met en jeu un duo entre deux figures, Moïse d'un côté, incapable de l'art de la parole, incapable de l'art de la parole qui rassemblerait vers une vérité plus élevée son peuple, et Aaron, qui, lui, a la puissance du bel canto et qui sait captiver les foules. Cet opéra, vous le savez sans doute, à la fin, a une fin qui a été interrompue volontairement par Schoenberg, hein, qui donc a décidé de mettre en jeu une interruption volontaire de l'opéra. Et la dernière phrase de cet opéra, c'est une phrase de Moïse qui est « Ô mot, mot qui me manque ». On pourrait faire l'hypothèse que ce mot qui manque est le mot « beauté », justement. La beauté, ce qui manque à Moïse pour rallier son peuple à sa cause, pour le fasciner de sa puissance, c'est peut-être en effet la beauté. Contrairement à Aaron qui, lui, comme je l'ai dit, dispose du bel canto, invite son peuple à bâtir une statue de matière précieuse, etc. Or, chez Schoenberg, le véritable point de victoire musicale se joue là. Si l'œuvre vise l'idée, c'est-à-dire à penser quelque chose, alors, nous dit Schoenberg, vraisemblablement, elle doit se priver de la beauté. Chez Schoenberg, mais chez tous les artistes, hein, ce que l'œuvre a à penser, c'est quelque chose qui, dans son ordre propre, penser une vérité de musique pour la musique ou penser une vérité de théâtre pour le théâtre. Ça, c'est l'art contemporain dont on dit depuis Mallarmé qu'il n'est que plus justement politique qu'à essayer tout d'abord de s'occuper de lui-même et trouver les formules probes de son art de lui-même. Alors, cette vérité de musique, par exemple, chez Schoenberg, ça va être une manière d'évaluer, pardon, la taille du monde dans laquelle la musique se meut, de le parcourir de part en part, non plus dans un fantasme de maîtrise, mais dans la modestie d'un nomadisme émerveillé, de parcourir un monde plus vaste. C'est ce qu'on entend très bien dans les ébrures des violons et des cordes à la fin du deuxième acte de Moïse à Aaron. Donc, il y a là la recherche d'une vérité nouvelle, vérité musicale nouvelle, qui, vous le voyez, renonce à la maîtrise absolue et qui propose une modestie et en même temps une souveraineté extraordinaire, une fraternité, une hospitalité nouvelle, un nomadisme musical, plutôt qu'une saisie qui attesterait de la puissance. Il y a donc, je crois, que c'est un impératif moderne. Souvent, il y a lieu, dans l'œuvre moderne, de renoncer à la beauté. Pourquoi renoncer à la beauté ? Parce que, nous dit Schoenberg, il faut vouloir le sublime. Alors, vous savez que c'est une des catégories qui a été opposée à la beauté. J'ai encore une minute. Il faut vouloir le sublime. On a souvent donc opposé le sublime à la beauté, et je crois que l'art contemporain se tient souvent du côté du sublime. Le sublime, ce n'est pas l'absolu de la beauté, pas du tout. Le sublime, c'est l'au-delà de la beauté, ce qui l'outrepasse, la diagonalise. C'est dans l'accès à l'excès, le poids qui sera mis sur l'excès, là où la beauté met le poids sur l'accès. C'est ce qui reste excessif au point même où s'ouvre un accès.
Donc vous savez que le sublime nous donne le sentiment d'être dépassé par les coordonnées du réel, nous donne donc le sentiment d'être impuissant face à un réel plus vaste, trop vaste, que nous n'arrivons pas à embrasser. Et c'est pourquoi je pense que l'art contemporain a souvent préféré le sublime à la beauté, parce qu'il y trouvait de manière cohérente de quoi rendre justice à ce que l'art contemporain cherchait, à savoir un réel qui nous fasse abandonner l'illusion de notre maîtrise totale, de notre désir de possession, de notre volonté de nous rassurer sur des vérités bien trop pesantes. Je dirais que pour moi, pour conclure, je n'ai pas tellement envie de continuer à opposer sublime et beauté. Je dirais que cette beauté que nous cherchons, qui essaie d'être probe, qui essaie de prononcer quelque chose quant à son impuissance aussi, je dirais qu'elle inaugure une nouvelle beauté, selon moi, une beauté dont le maître mot serait hospitalité et égalité, conscience du manque et du désir à maintenir comme tel, et qui nous fait en effet tous invités à la table d'un festin aimable. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup. Vous avez été frappé comme moi par la manière dont Marie-Josée Malice a repris directement le propos de Vincent Delcroix, de la fin du propos de Vincent sur finalement la vérité difficile à entendre, la vérité qui n'est pas si belle à voir, la vérité peut-être mortelle et l'épreuve de la mort. Le défi maintenant de Julien Renoux, ça va être nous ramener de cette vérité mortelle vers le vivant, dans une tension qui ne va sûrement pas disparaître, mais qui fait partie de notre époque. Merci. Alors moi, je suis une mauvaise élève parce que je ne vais pas, dans la présentation, vous parler du lien entre beauté et vérité, uniquement de la beauté. Ceci étant dit, je vais poser des bases pour la discussion du lien dans la partie du débat. Des travaux de sciences cognitives, en ce moment, tentent à révéler des bases biologiques sur ce lien. Voilà. Alors, l'évolution de la beauté. Je reste à proximité du micro. Voilà. Alors, vous le savez, la beauté, elle est omniprésente dans les cultures humaines. Elle détermine notre rapport à la nature, elle influence les relations entre les individus. Mais d'où vient cette beauté? Quelles sont ses origines? Est-ce que les animaux ont des expériences esthétiques au sens d'une appréciation de cette beauté? Et si oui, est-ce que la fonction de la beauté où les fonctions de la beauté sont les mêmes chez l'homme et les animaux? Alors, c'est un vaste programme de recherche. Au cours de ces 30 dernières années, c'est un programme qui a été assez riche dans le domaine de la psychologie évolutive. Alors, la psychologie évolutive, c'est une discipline qui a pour objet l'étude du caractère adaptatif des comportements humains. Et pour la psychologie évolutive, c'est comme ça, voilà, la beauté, c'est un signal de qualité. Et qui n'est sélectionné pour aucune autre fonction que cette fonction de signalisation. Par exemple, à travers les cultures, apparemment, les gens, le type de paysage que les gens ont tendance à trouver le plus beau, c'est celui-ci, avec une végétation luxuriante, une eau en abondance, le tout observé d'un point de vue abrité ou surélevé. Et ceci a été invariablement interprété par le fait que, sous l'effet de la sélection naturelle, nous ressentons un plaisir devant ce type de paysage qui peut nous assurer prospérité, et ce plaisir serait le plaisir esthétique. Et de la même manière, le psychologue américain Geoffrey Miller, par exemple, défend l'idée que les œuvres d'art sont des indicateurs de qualité qui évoluent sous l'effet, cette fois-ci, de la sélection sexuelle. Alors dans son livre, hein, il décortique un grand nombre d'études qui montrent des corrélations entre le succès artistique et le succès reproducteur des artistes. L'idée étant que la création artistique serait un indicateur de capacité cognitive ou d'une certaine dextérité physique dont un partenaire ou la progéniture tirerait bénéfice. Alors, si vous êtes dubitatif, rassurez-vous, moi aussi. Mais l'idée générale, hein, ici, qui est que nous trouvons beau dans la nature des indicateurs, des signaux donc, qui indiquent
les bénéfices potentiels qu'on peut tirer d'une interaction avec ces individus ou ces objets. Hein. C'est quand même une idée qui est assez robuste, qui a été soutenue par un grand nombre de travaux, conduits chez beaucoup d'espèces animales. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est ces roselins, sont des oiseaux chez qui l'intensité de la couleur rouge chez les mâles, elle est dépendante de la concentration en caroténoïdes. Hein. Et alors, les caroténoïdes sont des pigments que ne savent pas synthétiser les animaux, hein, mais qu'on retrouve dans la végétation. Si bien que l'intensité de cette couleur est directement dépendante de la taille du territoire de ces mâles. Et donc, c'est un indicateur honnête, hein, fiable, de la capacité qu'ont ces mâles à trouver de la nourriture et donc à nourrir leur progéniture. Donc, conceptuellement parlant, la théorie esthétique des indicateurs de la qualité donc, semble se tenir, bon, grosso modo. Mais récemment, dans Richard Prum, donc c'est un biologiste de l'évolution, a écrit un livre qui s'appelle The Evolution of Beauty, qui met à mal cette théorie. Donc, c'est un livre qui a été assez populaire aux États-Unis, il était finaliste du prix Pulitzer. Et alors, ce que Prum met en avant, c'est le concept de coévolution évaluative. Un signal coévolue avec sa propre préférence. Et ici, donc la beauté n'indiquerait pas une qualité de l'émetteur, mais il n'indique rien d'autre que lui-même en tant que signal et n'évolue pour aucune autre, et n'est sélectionné donc pour aucune autre fonction que cette fonction métasignalétique et autoréférentielle. Alors, ce processus de coévolution entre un signal et une préférence, il se produit dans n'importe quel système de coévolution, et contrairement au mécanisme des indicateurs de qualité, il explique relativement bien la diversification des signaux et des préférences et leur nature parfois exagérée. C'est par exemple le mécanisme qui est proposé en biologie évolutive pour expliquer comment ce type de trait peut apparaître. Et c'est également ce mécanisme que Prum propose pour expliquer l'évolution de l'esthétique en soulignant, par exemple, la nature idiosyncratique de la trajectoire suivie par les courants artistiques au cours de leur histoire. Alors tout ceci est intéressant, mais parlons-nous vraiment de beauté ici et d'esthétique? Il me semble que ces approches prennent le problème à l'envers. Elles essayent de comprendre les mécanismes d'évolution, de systèmes de communication dans lesquels l'attractivité joue un rôle central et elles définissent a posteriori, arbitrairement, la beauté et l'esthétique comme le produit de cette évolution. Je pense qu'il faut d'abord essayer de définir la beauté avant d'essayer de comprendre comment elle évolue. Alors, définir la beauté, c'est notoirement complexe, on le sait. Cependant, on peut identifier un certain nombre de symptômes de l'expérience esthétique qui permettent, si ce n'est de la définir, du moins d'en déterminer les contours. Déjà, l'expérience esthétique, la beauté, on peut la retrouver n'importe où, hein, en écoutant une musique, chez un homme, chez une femme, et aussi devant un coucher de soleil. Bon. Et ça, c'est problématique pour la théorie de la coévolution, puisque ça veut dire que la beauté, on peut la retrouver en dehors d'un système de communication. On ne communique pas avec le soleil. Hein. On peut communiquer avec la lune, tard dans certaines soirées, mais avec le soleil, normalement, non. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, personne ne considère que le soleil couchant a évolué en réponse au plaisir que nous avons, humains, à l'observer. Dans la même veine, la beauté est subjective, on le sait, mais elle est également universelle. Et ça aussi, c'est problématique pour la théorie de la coévolution. Hein, nous trouvons beau des signaux qui ont évolué pour être attractifs pour d'autres que nous. Nous trouvons beau le chant des oiseaux, nous trouvons beau ces araignées d'Australie qui ont, a priori, coévolué avec les préférences de leurs propres congénères, pas avec les nôtres. Également dans les arts, les psychologues, esthéticiens ont montré, et les anthropologues aussi, des invariants culturels à la beauté, de formidables études, surtout dans les années 50, qui ont montré des scores de corrélation croisés dans des notes de beauté qui ont été attribuées à des objets, à des œuvres d'art, donc, par des personnes appartenant à des cultures complètement différentes et isolées. Bon. Et aussi, la beauté est associée à une certaine complexité. Alors, pas toujours, mais souvent. Et ça, c'est vraiment problématique pour la théorie des indicateurs de qualité. Hein, parce que cette théorie, elle explique assez facilement comment le roselin est devenu de plus en plus rouge, mais elle est incapable d'expliquer le raffinement qu'on observe là dans les ocelles de plumes du paon, ni même l'organisation là, du patron de coloration sur la plume du grand argus. Elle est incapable d'expliquer ce qui fait réellement la beauté de ces plumes. Elle est incapable non plus d'expliquer ceci. Alors ça, c'est une expérience qui a été menée par des chercheurs australiens sur des petits oiseaux. Donc les chercheurs ont collé des plumes sur la tête des mâles et ils se sont rendus compte que les femelles se mettaient toutes à préférer ces mâles. Alors non pas parce que c'était innovant,
Parce que la même plume collée horizontalement n'avait aucun effet. Simplement, les femelles avaient en elles une préférence latente pour ce type de signal, qui attendait juste de s'exprimer. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, le signal d'attractivité, ce n'est pas une adaptation. Parce qu'une adaptation, c'est le produit de l'évolution sous l'effet de la sélection naturelle ou sexuelle d'un trait qui augmente de fait donc la reproduction et la survie. Mais ici, le trait n'est pas le produit de l'évolution. En fait, ce que font les théories évolutives de l'esthétique, c'est d'expliquer l'évolution des arts, du choix de partenaire, etc., mais en tant que système de communication. Et ils définissent, je le disais, la beauté comme le produit de cette évolution. Mais en faisant ainsi, ils ne peuvent pas reconnaître l'esthétique comme une composante indépendante de ces systèmes de communication, quelque chose qui vient s'ajouter, quelque chose qui est à l'intérieur de ces systèmes de communication, mais qui peut avoir une dynamique évolutive qui lui est propre. Je le disais, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la beauté, avant d'essayer d'étudier son évolution. Alors, qu'est-ce que la beauté ? Voilà, il doit me rester 7 minutes. Voilà. Facile. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai été fasciné dans les sciences cognitives par une théorie développée par surtout Rolf Reber et Piotr Winkelmann, qui est la théorie esthétique de l'affluence. Cette théorie dit que la beauté est déterminée par la dynamique de traitement de l'information. Et une augmentation de l'affluence, c'est-à-dire de la dynamique, de la facilité qu'a le cerveau à traiter de l'information, augmente la beauté et peut produire, dans certains cas, une expérience esthétique. Alors, je dis que cette théorie, elle est fascinante, puisque à elle seule, elle arrive à peu près à expliquer tous les résultats de la psychologie expérimentale en esthétique. Elle explique, par exemple, les aspects formels de la beauté, juste liés à la forme, au design. Les gens, à travers les cultures, mais aussi les animaux, ont tendance à préférer, à trouver plus beau, des formes qui sont symétriques à bord arrondi. Et il se trouve que de telles formes sont également plus faciles à coder pour le cerveau que des formes à bord anguleux et asymétriques. Les gens et les animaux aussi ont tendance à trouver beau des prototypes. Alors un prototype, c'est le stimulus qui est le plus représentatif d'une catégorie perceptuelle. Pour nous autres Européens, une mésange est plus représentative de la catégorie oiseau que ne l'est une autruche. Et il se trouve que les Européens tendent à trouver une mésange plus beau qu'une autruche. Mais l'affluence, elle peut être aussi également conceptuelle, sémantique. Le suspense, par exemple, qui est une composante importante de l'esthétique de la narration, eh bien, le suspense, c'est la rétention volontaire d'informations pour la délivrer d'un coup, en masse, et c'est cette augmentation, cette capacité qu'a le lecteur subitement à faire sens de la situation qui peut lui procurer une expérience, un plaisir que je qualifierais d'esthétique. Ici. C'est peut-être la première fois dans l'histoire des sciences qu'on a une théorie scientifique mécaniste de l'esthétique qui soit à la fois une théorie interactionniste, c'est-à-dire que la beauté n'est ni une propriété des objets, ni une propriété des individus, mais elle naît de l'interaction entre les deux, et une théorie qui permet de rendre compte tout autant de la dimension universelle que de la dimension subjective de la beauté. Tout dépend de à quel niveau, attendez, ça se complique les diapos, à quel niveau dans la chaîne de traitement de l'information on va modifier donc l'affluence. Ce qui détermine l'affluence, c'est la sensibilité des neurones, c'est-à-dire à quel type de stimulation un neurone va répondre ou non. Bon. Eh bien, si un signal de communication augmente l'affluence dans les bas niveaux de la chaîne de traitement de l'information, on peut voir apparaître des préférences plutôt de type universel, puisque ce niveau de traitement, la sensibilité des neurones est essentiellement déterminée génétiquement, et donc elle est très peu variable d'un individu à l'autre, et même d'une espèce à l'autre. En revanche, si le signal de communication va manipuler, modifier l'affluence du traitement de l'information dans les hauts niveaux de la chaîne de traitement, on peut voir apparaître des préférences plutôt subjectives, puisque à ce niveau, la sensibilité des neurones est plastique, déterminée essentiellement par des facteurs culturels, sociaux et individuels. Alors la théorie de l'affluence, c'est franchement génial. Sauf que, il y a toujours un mais. C'est un concept phénoménologique en psychologie, c'est-à-dire c'est un phénomène qu'on décrit. En psychologie, pour mesurer l'affluence, on demande à des gens d'évaluer la difficulté qu'ils ont à comprendre, par exemple, un texte. Et ça, c'est problématique pour moi qui m'intéresse aussi à la beauté qui essaye de m'intéresser à la beauté chez les animaux, puisqu'on ne peut pas leur demander, comme ça, leur ressenti sur la difficulté à faire sens d'une situation.
C'est pourquoi dans mon équipe, on essaye, on travaille beaucoup sur le développement de modèles mathématiques pour modéliser la dynamique du flux d'informations dans le cerveau des animaux et des humains et pour quantifier l'affluence dans ces modèles. Je vous donne un exemple donc, que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est une étude qui date un petit peu, mais bon, c'était une des premières, en 2016, sur le lien entre affluence et beauté. Alors ici, l'affluence, on l'a étudiée à travers un concept qui est celui de la sparsité. C'est une des mesures de l'affluence, la sparsité. Un signal, on dit qu'il est sparse lorsque le cerveau a besoin de monopolise peu de neurones pour extraire de l'information de ce signal. Bon. Donc, on a modélisé la sparsité de visages. Donc ici, c'était des visages féminins dans le cortex primaire. Et en même temps, on a montré des photos de ces visages à des jeunes hommes et on leur a demandé de donner des scores de beauté à ces visages. Et on a trouvé une corrélation positive, significative, entre la sparsité et la beauté. Ça veut dire que les visages qui étaient jugés en moyenne les plus beaux seraient ceux qui activent le moins de neurones dans le cerveau, dans le cortex primaire des hommes. Intéressant quand même. Et figurez-vous que cette étude elle a été reproduite cette année par une équipe complètement indépendamment de Glasgow. Ils ont utilisé notre modèle. Ils ont même trouvé que la sparsité, c'était la variable. Alors, ils l'ont comparé à d'autres variables classiquement associées à la beauté des visages, comme la féminité, la symétrie. Ils ont trouvé que la sparsité était celui qui expliquait le mieux les notes de beauté dans leur propre jeu de données. On continue de travailler beaucoup sur cette notion, mais plus avec des approches d'intelligence artificielle aujourd'hui. Une autre approche pour étudier quantitativement l'affluence, c'est de partir du constat que les neurones des bas niveaux de traitement de l'information sont adaptés pour extraire l'information qui est dominante dans la nature. Prenez par exemple ce qu'on appelle l'invariance à l'échelle. C'est le fait qu'un motif soit répété lorsqu'on zoome ou on dézoome dessus. Alors, il y a beaucoup d'invariance à l'échelle dans la nature. Un arbre, ici, c'est un tronc qui se divise en branches, puis en brindilles, etc. Bon. De fait, un motif invariant à l'échelle, c'est un motif qui est redondant. Eh bien, le cerveau peut tirer profit de cette redondance en apprenant, c'est-à-dire en codant simplement le motif qui est répété et en apprenant à quelle fréquence spatiale ce motif est répété. C'est ce qu'on appelle l'invariance à l'échelle. Eh bien, c'est bien connu en sciences cognitives, les neurones des animaux dans les bas niveaux donc du traitement sont adaptés au degré d'invariance à l'échelle qui est majoritaire, dominant dans les paysages naturels. Ça veut dire qu'un signal qui et donc ceci pour traiter efficacement l'information. Ça veut dire qu'un signal de communication qui aurait le degré d'invariance à l'échelle qu'on retrouve majoritairement dans la nature serait lui aussi codé efficacement de manière économique et donc fluent et donc il serait potentiellement beau. Eh bien, c'est exactement ce que font les œuvres d'art, certaines du moins. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Il y en a une, par exemple, une des premières, c'était de Christophe Reilly, ici, de l'Université de Jena. Donc, il a mesuré l'invariance à l'échelle dans des milliers de photos de paysages, paysages naturels, chez des milliers de photos de type photo d'identité, et également donc, sur des milliers de portraits artistiques faits par des artistes de cultures différentes, à des époques différentes, avec des techniques différentes, des estampes, des gouaches, etc. Gros jeu de données, et il a trouvé que les portraits artistiques avaient le même degré d'invariance à l'échelle que celui de la nature, qui était différent. Par contre, il était différent de celui de l'invariance à l'échelle qu'on trouvait dans les portraits photographiques. Et là où ça devient encore plus amusant, c'est que les animaux font la même chose. Avec ma collègue Tamra Mandelson de l'Université de Baltimore, on étudie ces petits poissons. Ce sont des perches qui vivent dans les rivières d'Amérique du Nord, et alors elles occupent des habitats. Chaque espèce occupe des habitats différents. Il y en a qui vivent sur du sable, dans la végétation, etc. Et les mâles de ces espèces, mais pas les femelles, en période de reproduction, donc sortent de ces livrées nuptiales qui sont toutes bariolées. Et on a trouvé, là encore, qu'il y avait une corrélation très forte entre le degré d'invariance à l'échelle de la livrée nuptiale des mâles, mais pas des femelles, et celui des habitats propres de chaque espèce. Ici, dans les deux cas, on a des signaux qui sont dont le but est d'être attractif, et on observe une homologie. Pas une homologie fonctionnelle. Je ne dis pas que les œuvres d'art sont des signaux sexuels, mais il y a une homologie processuelle, c'est-à-dire dans la manière dont ils jouent avec le processus cognitif qui est en jeu. Ici, c'est l'imitation donc, de scènes naturelles pour augmenter la facilité du traitement d'informations. Que fait-on de tout ça ? Donc ça veut dire conclusion.
Je pense qu'il est important, pour étudier l'esthétique, de reconnaître une chose, c'est que lorsqu'un individu porte un jugement sur un autre individu, sur une personne, sur un objet ou une scène, il met en œuvre plusieurs systèmes d'évaluation. Ces différents systèmes font tous intervenir les mécanismes de perception, cognition, émotion. Alors, certains de ces systèmes évaluent les bénéfices futurs d'une interaction avec cet objet, cette personne ou cette scène. D'autres évaluent les processus internes, par exemple notre compréhension de ce qui se passe, de la personne, de la scène, etc. Ces différents systèmes d'évaluation, on commence à le connaître, à le savoir, ont des mécanismes neurophysiologiques qui sont différents et probablement aussi des mécanismes d'évolution, des dynamiques évolutives qui sont différentes. En l'état actuel des connaissances, à mon avis, l'esthétique, il faut plutôt la rechercher dans l'évaluation des processus internes, c'est-à-dire, pour reprendre le terme de Kant, c'est-à-dire les processus qui sont désintéressés de ce que peut nous rapporter l'objet qu'on est en train d'évaluer. Et je pense que reconnaître l'existence de ces différents systèmes d'évaluation est fondamental aujourd'hui si on veut, en biologie du moins, mieux comprendre le rôle que peut jouer la beauté dans la vie de tous les jours. Merci. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes à peu près. On peut prendre encore... on a un peu débordé, mais on va prendre une... On va prendre un petit quart d'heure pour la discussion. Merci pour ce très bel exposé, si je peux me permettre de savoir, je ne sais pas comment je l'évalue, mais de manière intéressée et désintéressée. Et il y avait quand même un lien avec la vérité, sinon dans l'objet de la beauté, mais dans le discours, c'est-à-dire de la science. Est-ce qu'elle nous dit la vérité de la beauté ? Est-ce qu'elle nous dit sûrement la vérité de quelque chose ? Est-ce que c'est la vérité de la beauté ? C'est un peu la discussion qui peut s'ouvrir. Je suis là pour la modérer ou l'animer selon le rythme qu'elle va prendre. Et donc, je reste peut-être là pour voir vos questions. Mais si vous avez des questions entre vous déjà ou des questions dans le public, je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler ou sinon je... Il y en a là, oui. Je ne peux pas passer s'il y a des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions mutuellement ? Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Vraiment comme ça vient ? Je pense que c'est vraiment un débat très libre. Où on a vu, juste pour refaire une remarque de générale, hein, on a vu de l'interdisciplinarité contemporaine. Que veut dire contemporain ? Il y a à la fois l'épreuve du XXe siècle et la science contemporaine. Il y a l'histoire de la philosophie, de la religion, qui n'est pas non plus anodine. Donc on voit bien qu'on est dans une interdisciplinarité contemporaine tendue. Comment est-ce qu'on fait pour tenir compte aussi des expériences négatives, par exemple, aussi pour évaluer à travers la science contemporaine notre rapport de vivant humain à des spectacles et à des visages ou à des formes. Enfin voilà, il y a vraiment une question contemporaine qui fait que science et lettres sont nécessaires. Ça m'a permis d'enchaîner une question. Une question à Julien Renoux. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est que vous orientez vers une vision un peu moins utilitaire sur le plan évolutionnel de la beauté. Mais dans ce cas-là, comment la dimension de la pertinence évolutionnelle, de fitness, comment est-ce que vous pensez que justement la reconnaissance en tant que telle continue à être retenue et avec un tel degré de concentration parmi les individus de la même espèce et même entre espèces. C'est-à-dire pourquoi une telle rétention si forte de cette dimension beauté si l'utilité n'est pas particulièrement grande. Alors l'utilité, en effet, pour moi la beauté elle est relativement inutile en tant que beauté, mais ça ne veut pas dire que les mécanismes de fluence que j'ai décrits ici ne sont pas utiles. En fait, le plaisir, puisque c'est ça qui a été montré, on sait que la fluence est marquée hédoniquement, donc elle génère du plaisir, parfois indépendant du désir, justement.
parce que les deux peuvent être déconnectés. Donc l'affluence produit un plaisir, indépendamment du désir. Et ce plaisir, comme je disais, il a une fonction qui est, elle, adaptative à l'origine. C'est-à-dire qu'il est adaptatif, il est bénéfique de prendre du plaisir à acquérir de la connaissance, par exemple, sur son environnement, puisque ceci augmente, a des chances d'augmenter à l'échelle de la vie notre valeur sélective. C'est ce qui compte en biologie évolutive. Simplement, il peut être cette plaisir peut être détourné de cette fonction originelle. Et pour moi, on parle de beauté lorsqu'il y a détournement de cette fonction. Donc dans ce cas-là, ce plaisir n'est plus une adaptation. Il peut m'être contre-adaptatif. Un petit mot. Donc, est-ce que vous le comprenez en termes interactifs, c'est-à-dire un bénéfice au niveau de la population, un bénéfice social, pour ainsi dire, sur le plan de l'adaptation? Non, je ne l'interprète pas au niveau de la population, puisque c'est vraiment une exploitation d'un signal. Hein, de la même manière, en fait, bon, je n'ai pas développé, mais ça se prolonge en fait le concept d'exploitation de biais sensoriel, etc., qui est proposé pour expliquer l'origine hein, des préférences, dans bien des cas, qui peut après continuer d'évoluer ou de coévoluer, selon les mécanismes que j'ai décrits, de coévolution ou d'indicateurs de qualité. Mais l'origine de la préférence, voilà, elle se produit bien souvent dans des biais sensoriels, c'est-à-dire elles sont là, c'est lié à l'architecture neuronale, etc., ou à d'autres adaptations. Et ce sont ces préférences qui sont exploitées. Voilà. Donc, pour revenir, c'est que un signal donc, qui exploite juste cette dynamique hein, de traitement de l'information, qui produit du plaisir en exploitant cette dynamique, au début, donc il peut relever uniquement pour moi de la beauté, mais après il peut se transformer en signal indicateur de qualité, etc., et avoir donc les deux processus coévolutifs qui soient mélangés en boucle et à un certain point indissociables. D'autres questions? Ben, si je prolonge la discussion qui vient d'avoir lieu, j'avais une question aussi pour Julien, mais peut-être qu'il peut rejoindre aussi les exposés de Marie-Josée et de Vincent. Est-ce que cette déconnexion du beau, de la pratique ou de l'utile, est-ce qu'elle se traduit dans des comportements? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait appeler ça beauté? C'est-à-dire, vous dites, c'est pas juste... et surtout, cette beauté... qui passe par les processus plus complexes. Est-ce que c'est qu'il y a une contemplation, par exemple? Est-ce qu'elle n'est pas simplement utilisée, et donc, du coup, par exemple, ça conduirait vers aussi la question de la réflexivité, et chez les humains, par exemple, de la contemplation à la connaissance, voire à la production de beauté pour être vue, et donc à cette sorte de beauté que nous créons pour la contempler. Est-ce que cette question du comportement de tomber en arrêt devant le spectacle pour lui-même fait partie de vos critères? Alors oui, j'aimerais bien... c'est difficile à étudier chez les animaux, notamment. Il y a Jean-Marie Schaeffer qui a écrit un superbe ouvrage, moi, je trouve, sur l'expérience esthétique, où il reprend notamment ce concept, il développe ce concept de fluence, il en montre aussi l'incomplétude, mais il en souligne les intérêts. Et lui, il souligne le cas des oiseaux, des boar birds, hein, les oiseaux jardiniers. Et pour lui, justement, il montre bien qu'il y a ce côté dépragmatisé, en fait, chez la femelle, qui est que, ce sont des oiseaux où le mâle, il organise une espèce de scène. Alors, il va chercher des fruits, etc. Il fait vraiment une décoration qui est très, très élaborée, qui sert à la reproduction. Il pose des fruits de couleurs différentes, côte à côte, etc. C'est vraiment une composition très élaborée. Et la femelle, elle vient, il prépare même aussi des gradins hein, pour la femelle, le mâle. Il va se mettre sur la branche pour anticiper ce que va voir la femelle et tout. Et la femelle, par contre, elle est là, elle regarde, elle ne fait que regarder. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas picorer les baies qui sont là. Donc elle ne les prend pas comme comme une source d'alimentation. Elle les prend comme voilà un signal. Et donc là, il souligne qu'il y a sans doute une contemplation qui est donc quelque chose qu'il appelle lui aussi hein, le cadre esthétique qui est déconnecté, qui est à l'intérieur du cadre, on va dire pragmatique de la sélection sexuelle. Mais à l'intérieur, là, il se passe une expérience, un phénomène que, selon lui, relève de l'expérience esthétique. Intéressant. Des questions?
Oui. Merci pour le faire passer le micro. C'est pour Vincent Delecroix. Je suis en train de lire un petit livre d'une Italienne qui s'appelle La langue géniale sur le grec. Et c'est un livre un peu aride, mais je trouve passionnant. Et j'ai découvert l'existence d'un duel. Donc il y a le singulier, le pluriel et le duel. Et en vous écoutant tous les trois, je me disais, est-ce que la beauté, pensez au duel, le duel c'est la paire, le couple, une relation entre deux personnes ou deux objets créés par l'auteur. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect que la beauté, c'est aussi la beauté de deux êtres qui ont une relation particulière? Est-ce qu'il n'y a pas une beauté spécifique au couple, que ce soit un couple d'oiseaux ou de personnes humaines, qui est dissociée de la beauté de chacun? Je ne suis pas sûr d'être la personne compétente pour vous. Pas pour vous parler des couples, hein, mais de la beauté. Non, ce qui me paraît, pour en revenir d'ailleurs à l'allusion au banquet auquel que j'ai fait tout à l'heure, comme vous le savez, il y a un très célèbre mythe qui est le mythe de l'androgyne, qui est raconté par Aristophane, lui-même un peu éméché, il faut bien l'avouer. Et qui est pris de hockey, c'est pas indifférent. Et en général, ce qu'a retenu la conscience occidentale, en tout cas une certaine vulgate, c'est que ce mythe-là est à la fois le mythe pur de l'amour et de la beauté, c'est-à-dire de la relation esthétique dans l'amour. Or, le mythe de l'androgyne, c'est précisément ça, c'est le duel. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une entité parfaite, scindée, qui est scindée, et chacun recherche son autre moitié. Ce qui me paraît très important, c'est la manière dont ce mythe est mis en scène et tourné en dérision par Platon, enfin par Socrate, Platon. Et la manière dont, justement, cette espèce de fantasme de la réunion, de la relation quasi organique, voire de la refusion, ce fantasme est complètement déconstruit, précisément dans le mode de relation que décrit à son tour Socrate, ou plutôt Diotime, puisque c'est Diotime qui devient le porte-parole de Socrate. Et je pense que la manière dont c'est mis en scène dans le dialogue platonicien est particulièrement révélatrice de ça, justement. C'est-à-dire, méfiez-vous, au contraire. Méfiez-vous, si vous voulez penser, et Socrate ne fait rien d'autre que penser ce que c'est que l'amour du beau, méfiez-vous, justement, de cette espèce de fantasme de la relation à deux qui vise l'un. Et c'est quand même paradoxal de la part de Platon, pour lequel l'un est justement le principe suprême. Mais il y a là une espèce de torsion chez Socrate qui mérite l'attention, je pense, et qui complique considérablement ça. Une question ? Bonsoir. C'est une question qui s'adresse particulièrement à Madame Malice. Pour certains de ses poèmes, et dont certains aspects pourraient paraître comme morbides, Baudelaire a été accusé de réalisme. De réalisme. Est-ce que vous pensez que sa démarche ou ses descriptions s'inscrivent dans une démarche de recherche de la beauté ou du sublime? À vrai dire, vous savez, je ne suis pas tellement spécialiste de cette question, hein, donc je ne vais pas être très rigoureuse dans ma réponse. En tout cas, je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle est fidèle à ce que j'ai essayé de tracer, en effet. Je crois que quand la beauté essaie d'être dans une relation, fidèle, probe au réel, on peut se demander si elle est encore ce qu'on appelle la beauté, mais ce qu'on met sous le sceau plutôt du beau idéal, en fait. Je crois que c'est ça qui est compliqué, c'est que souvent, on pense que la beauté est du côté du beau idéal. Or, je ne crois pas que ça soit la seule définition qu'on puisse lui donner. Et si on renonce à l'idée que la beauté est idéalisation, alors peut-être qu'on peut dire que ce qui est, comme chez Baudelaire, tentative de faire tomber
les leurres, les fétiches, les simulacres, et de s'approcher au plus près de quelque chose d'autre qui est un autre type de jouissance ou un autre type de réel, peut encore être appelé beau. Je pense par exemple au tableau de Van Gogh, les godillots en fait. Je ne crois pas, par exemple, que ce tableau puisse être référé du côté du sublime. Il est ce que vous dites, c'est-à-dire il est une tentative de faire hospitalité à la réalité dans la peinture. Mais je crois qu'il est encore dans les coordonnées du beau, au sens où il est extraordinairement pacifique, et il ne propose pas l'expérience du sublime qui serait une expérience de débordement, de sensations d'être perdu ou défait dans quelque chose de plus vaste. Donc je crois que votre question nous permet plutôt de dire qu'on a trop tendance à envisager le beau sous la catégorie du beau idéal, en fait. Je le dirais comme ça. Je ne sais pas si je vous réponds. Oui, mais alors, pour prolonger Marie-Josée sur ça, en fait, si on prend en relation avec l'exposé de Julien, il y a une autre adversité, une autre tension qui n'est pas avec le beau idéal, qui est avec le beau naturel, avec le plaisir biologique, vital, et qui fait que, est-ce que l'art humain, quand il peut jouer avec le plaisir esthétique au point de passer par la vérité de ce qui n'est pas beau, donc au point de produire chez nous une sensation esthétique délibérément de souffrance, en fait, et vous avez dit d'ailleurs, vos spectateurs disent, vous reprochent parfois, qu'ils ne prennent pas de plaisir, justement. Est-ce que la difficulté, ce n'est pas de lutter avec le beau idéal, mais lutter aussi avec le plaisir biologique, c'est-à-dire, et du coup, d'affronter une émotion esthétique qui pourrait être négative, ou qui pourrait être passée par la négativité du... Ça fait que l'art contemporain a fait l'épreuve aussi d'une émotion esthétique négative ou critique. Oui, parce que, en effet, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que s'il est vrai qu'on est là pour montrer ce qui ne saurait être vu, dire ce qui ne saurait être entendu, on voit bien qu'en effet, il y a un trouble, une effraction qui est faite au principe de plaisir entendu comme homéostase, c'est-à-dire faire en sorte que rien ne m'arrive qui ne soit qu'agréable, en fait. Donc, s'il faut faire une percée, il faut faire une trouée, il faut introduire ce qui est absenté de la situation. Et de fait, ça va provoquer ce qu'on connaît, à savoir le sentiment soit de perdre ses repères, soit carrément d'être livré à une expérience désagréable, inconfortable, irrecevable. Mais en effet, je pense que oui, vous avez raison de dire que ce que l'art fait, parce qu'il n'y a pas que l'art contemporain qui le fasse. Non, bien sûr. Ce que l'art fait, après tout, c'est l'introduction d'une chose nouvelle, enfin, d'une chose qui n'était pas là, en fait, et qui donc provoque une violence comparable, d'ailleurs, à la violence que provoque l'arrivée d'une vérité, en fait. Vincent, tu veux rebondir là-dessus ? Je ne veux pas parasiter vos propos, mais simplement revenir... prolonger ce que vous dites, notamment pour ce qui est de Baudelaire. En général, on considère que non seulement l'esthétique de Baudelaire, mais d'une certaine manière, l'invention de l'art moderne chez Baudelaire, en tout cas de l'art poétique moderne chez Baudelaire, c'est la charogne, hein, c'est-à-dire le poème sur le lait et sur justement ce qu'on ne veut pas voir, sur le périssable. Alors là... d'une manière spectaculaire, et je pense que ça dénote particulièrement le point focal où la communauté de nos trois exposés ou de nos trois paroles. Ce qui est frappant, c'est le rapport entre la constitution, non pas simplement des critères de la beauté ou des canons de la beauté, mais le rapport entre la production de la beauté et l'environnement. Et en particulier, chez Baudelaire, c'est particulièrement sensible, parce qu'il est le peintre de la vie moderne. C'est-à-dire qu'il invente un beau qui correspond à ce qu'a bien vu Benjamin, qui correspond à certaines expériences qui sont proprement historiques, qui sont proprement modernes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire un beau détaché de ces expériences. Et je pense que c'est aussi ce que montre... les expériences qu'on a vues. C'est-à-dire le fait que
L'environnement, il n'est pas simplement, c'est pas simplement un environnement naturel, c'est un environnement historique et un environnement socio-historique. Et que la production d'une, ou le refus du beau idéal, par exemple, correspond effectivement à un type d'expérience de la modernité. Le fait que non seulement le lait devienne l'objet de l'œuvre d'art, mais que la beauté soit fragmentaire, qu'elle soit par éclat, qu'elle soit, comme chez Baudelaire, qu'elle soit tombée dans la boue. Enfin, voilà, c'était simplement pour compléter ça, parce que ça me paraît convergent. Bon, le seul reproche, c'est Vincent qui a dit le mot de la conclusion qui synthétise parfaitement. Et ça me permet de passer directement la parole s'il y avait d'autres questions, on les gardera pour une prochaine session de la chaire beauté. Mais là, Anne-Marie va reprendre avec d'autres l'estrade pour la présentation du doctorat et la remise des prix de la chaire beauté. Merci à vous tous. Merci beaucoup à vous tous pour la richesse de ces échanges. Je disais que les conférences allaient féconder la chaire, mais je crois que nous en avons eu une démonstration tout à fait éclatante et que nous allons tous repartir la tête pleine d'interrogations dans un état bien pire que l'état dans lequel nous étions arrivés. Alors, pour continuer sur un sujet qui est assez semblable, je donne maintenant la parole à Sophie Cohen-Bodenès, qui est la première lauréate de nos contrats doctoraux. Elle va donc travailler pendant 3 ans au département d'études cognitives de l'ENS. Et je la laisse présenter sa thèse en 180 secondes, puisque c'est ce qui se fait de nos jours. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous inviter pendant ces quelques instants à contempler ces images. Alors, en percevant, pendant ces quelques instants, l'organisation régulière des pétales de fleurs, les motifs présents sur les ailes de papillons, le style particulier et la composition géométrique des œuvres de Van Gogh ou d'Escher, et les couleurs chatoyantes des récifs coralliens, vous venez d'éprouver une expérience esthétique. En effet, la beauté est partout, dans l'art et dans la nature. Elle s'exprime de façon extraordinairement variée, que ce soit dans la symétrie et les proportions d'un visage humain, la régularité géométrique d'objets matériels, l'agencement fractal ou spiralique de formes organiques, ou encore le style formel de la création artistique humaine. Mais par-delà cette foisonnante variété de motifs, de couleurs et de formes, il existe une unité et des causes permettant de comprendre l'origine de la perception esthétique et de son universalité. Donc, en suivant le chemin tracé par les neuroesthéticiens et les neuroscientifiques, je propose de postuler une origine cognitive à l'universalité de la beauté. Mon travail va donc consister à tenter de comprendre quels sont les circuits cérébraux impliqués dans la perception esthétique. Dans un premier temps, je vais focaliser mon attention sur le système visuel, en construisant un modèle animal qui va permettre d'obtenir donc un modèle assez simple. Et je vais réaliser des expériences empiriques sur des poissons, ce qui va permettre de comprendre comment les premières couches de leur système visuel traitent les stimuli esthétiques élémentaires, comme les points de couleur, les rayures ou les cercles. Alors, pourquoi parler des poissons pour étudier le sentiment esthétique? Car, comme on vient de le voir avec l'exposé de Julien, le plaisir esthétique s'étend bien au-delà de l'espèce humaine et partagé par de nombreuses espèces animales. Et son origine donc peut se comprendre en se référant à la théorie de l'évolution et de la sélection sexuelle. Alors l'exemple connu, c'est celui du paon qui exhibe sa queue aux couleurs chatoyantes pour attirer ses partenaires en provoquant une superstimulation de certaines aires cérébrales sensorielles. Ce qui se passe, c'est que des millions d'années plus tard, quand l'être humain se met à créer des œuvres artistiques, il va réutiliser le même type de motifs, de formes et de couleurs pour réactiver ces aires ayant évolué pour des raisons liées à l'attraction esthétique. Et c'est ainsi qu'on comprend l'origine du sentiment esthétique, mais surtout du plaisir esthétique. Alors, dans un second temps, après avoir réalisé le premier modèle animal, je vais m'intéresser à l'expérience esthétique chez l'être humain. Et donc, pour cela, on va remonter progressivement, donc au-delà du système visuel, on va remonter progressivement vers des couches du cortex cérébral plus complexes
Et à ce moment-là, je vais introduire un nouvel outil méthodologique qui est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle permet de traiter une grande quantité de données. Et donc je vais plus particulièrement utiliser un type d'algorithme spécifique qui s'appelle la reconnaissance de forme, qui va me permettre d'appareiller des motifs de forme naturelle avec des paires de motifs artificiels artistiques. Et ces paires de motifs, donc une fois établies en grande quantité, vont servir de stimuli qu'on va présenter lors d'expériences en perception visuelle en laboratoire à des participants. Et si les hypothèses sur la réactivation des aires cérébrales sont justes, on devrait obtenir des corrélations entre les réseaux cérébraux activés par les motifs naturels et les réseaux activés par les motifs artistiques. En définitive, cette thèse donc a pour objectif de contribuer à mieux comprendre les réseaux cérébraux impliqués dans la perception esthétique à tous les étages de la cognition animale, humaine et peut-être même artificielle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sophie et bonne chance pour cette thèse. Vous avez déjà un interlocuteur tout désigné. Et c'est ainsi qu'on voit se former les réseaux de cet écosystème consacré à la beauté. Alors je vais maintenant donner la parole à Sylviane Balustre, qui est directrice des programmes Beauté Inclusive de L'Oréal, à qui revient l'honneur de décerner les premiers prix de thèse de la chaire Beauté. Merci. Bonsoir à tous. Quelques mots sur la présence de L'Oréal. Tout d'abord, je représente Alexandra Palt, qui vous présente ses excuses pour son absence de ce soir. Pourquoi L'Oréal est mécène de cette chaire ? Depuis plus d'un siècle, L'Oréal se consacre à un seul métier, celui de la beauté. Nous sommes convaincus que la quête de beauté est universelle. Et L'Oréal cherche en fait à répondre à l'infinie diversité de l'expression de beauté à travers le monde. Par ailleurs, je tenais également à rappeler que L'Oréal a été créé par un chercheur. Et l'entreprise a toujours mis la science et l'innovation au cœur de son activité. Alors, en tant que mécène, notre démarche, en fait, n'est pas nouvelle pour soutenir la recherche dans la beauté. Mais à travers cette chaire beauté, elle se renouvelle. Et en fait, c'est sa spécificité, à savoir le regard, les regards croisés et l'interdisciplinarité qui nous a séduits par sa beauté. Alors, chaque année, la chaire beauté va récompenser les meilleures thèses sur la beauté, toutes disciplines confondues. Pour la première édition, la chaire a reçu des candidatures portant sur des sujets de philosophie, de sociologie, de sciences cognitives, d'histoire de l'art. Et le comité de pilotage a retenu deux candidats, dont les travaux offrent, selon nous, une contribution majeure dans des domaines très différents. Alors, au nom de la chaire, j'ai le plaisir d'annoncer que le premier prix de thèse, un prix de 5 000 euros, est attribué à Camille Couvry pour sa thèse de sociologie soutenue à l'Université de Rouen-Normandie, sous la direction du professeur Michel Isilianos, intitulée « Beauté, classe sociale et empowerment. Les jeunes femmes de classe populaire dans les élections de Miss Normandie ». Alors, Camille Couvry porte un regard très original sur les élections de Miss, puisqu'elle y voit l'opportunité d'un empowerment. Et nous sommes heureux d'accueillir Camille Couvry dans la chaire. Et Camille, nous le savons, est très impliquée dans le domaine de la beauté, puisqu'elle co-organise en fait depuis 2017 le séminaire de recherche internationale itinérant Corps et beauté. Camille, je vous invite à me rejoindre sur scène. Et je vous laisse partager en 180 secondes l'essence de vos travaux. Bonsoir à tous. Alors, je remercie vivement tous les membres du comité de pilotage de la chaire de m'avoir décerné ce prix de thèse. J'en suis très honorée. Et je suis très heureuse que la beauté et les pratiques esthétiques en tant qu'objet de recherche suscitent l'intérêt de chercheurs d'horizons disciplinaires variés et se concrétisent dans la création de cette chaire. Je vais me prêter à l'exercice de présentation très synthétique de mon travail de thèse portant sur les pratiques esthétiques au sein des élections de Miss.
L'intérêt sociétal pour la beauté est très prononcé. Paradoxalement, cet objet est peu identifié et documenté dans la sociologie, a fortiori française. Les chercheurs peinent à l'étudier sans jugement de valeur. C'est dans ce contexte que j'ai entrepris ma recherche doctorale sur les pratiques esthétiques dans un espace où celles-ci sont un ressort principal des activités sociales. J'ai choisi les élections de Miss. Sous l'influence des idées féministes, les élections de Miss sont souvent dénigrées. Présentées comme un espace qui invite les femmes à endosser un rôle superficiel de femme-objet. À cette critique s'ajoute celle d'une pratique jugée péjorativement comme populaire, parfois. Pourtant, les promoteurs de ces concours et les femmes qui y participent les perçoivent comme une expérience enrichissante. Tout l'intérêt de l'enquête de terrain sociologique et ethnographique que j'ai menée pendant 3 ans est de pouvoir étudier précisément ce que font ces concours aux femmes et comment celles-ci se les approprient. Les participantes aux différents échelons d'élections en France, communales, régionales, nationales, appartiennent principalement au milieu populaire. Dès lors peut être formulée la problématique suivante, les élections de Miss représentent-elles un moyen d'affirmation de soi et de renforcement de soi, autrement dit d'empowerment, pour les femmes de milieu modeste. Le travail esthétique déployé au sein des concours intègre plusieurs domaines de pratique. D'une part, des techniques du corps transmises aux candidates afin qu'elles acquièrent les signes du personnage de Miss. Et d'autre part, des pratiques d'apparat, l'habillement, des cosmétiques, du maquillage, le soin apporté à la coiffure, faisant l'objet d'un apprentissage. Bien que la beauté soit au cœur du processus d'élection, elle n'est acceptable que si elle intègre d'autres critères, l'élégance, des qualités morales, sociales, intellectuelles et d'autres objectifs que l'embellissement comme fin en soi. La valeur de l'optimisation esthétique est donc mesurée à l'aune des bénéfices qu'elle confère et qu'elle procure. Si les participantes issues des milieux les plus favorisés sont mieux disposées à répondre aux attendus et à gagner, toutes les femmes disent que les concours les aident à devenir plus féminines, moins timides, à prendre confiance en elles, à acquérir une aisance sociale par la maîtrise de l'apparence esthétique et de l'expression orale. Une enquêtée assimile ainsi les élections de Miss à une thérapie qui lui a permis de s'affirmer davantage face au regard des autres et dans ses interactions sociales. Les participantes tendent également à évaluer leur engagement corporel en termes de bénéfices scolaires et professionnels. Vaïma Lama Chavez entend bien utiliser son titre de Miss France pour lancer sa carrière musicale. Des transferts de dispositions s'observent aussi, des élections de Miss vers un à côté de la vie professionnelle, tels que devenir modèle dans des défilés de mode ou dans une moindre mesure entrer en politique locale. Cette étude montre que pour ces femmes jeunes, issues de milieux modestes, l'apparence esthétique peut être un instrument d'émancipation qui leur permet de développer au moment de l'entrée dans l'âge adulte un pouvoir d'action important. Elle met en lumière combien le travail esthétique participe à définir ces femmes. Elle démontre les effets puissants de la beauté en termes de construction des identités et de sentiments de pouvoir et révèle des morales corporelles socialement situées. Je vous remercie pour votre attention. Le second lauréat du prix de thèse de 2019, d'un montant de 3 000 euros, est attribué à Olivier Chiquet. Pour sa thèse soutenue à la Sorbonne Université, sous la direction du professeur Frédéric Dubard de Gaillard-Bois, sa thèse, qui implique les arts et la littérature, s'intitule « Penser la laideur dans la théorie artistique et la peinture italienne de la seconde moitié du Cinquecento, de la désharmonie à la belle laideur ». Félicitations, et je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Voilà. Et exposer en 50 secondes. Merci. Bien, à mon tour, je souhaiterais remercier naturellement le comité de pilotage de la chaire pour m'avoir décerné ce prix qui me touche beaucoup, et je vais donc présenter en 180 secondes mon travail. L'automne de la Renaissance n'est certes ni la première période à s'intéresser à la laideur, ni même la première à avoir tenté de la penser autrement que de manière négative. Mais si les penseurs de la Renaissance ont globalement accepté la doxa, selon laquelle le laid s'opposerait au beau sur les plans ontologiques, logiques, morales, formels, esthétiques et anthropologiques,
Ils se sont toutefois montrés de plus en plus intéressés par ces développements paradoxaux, dans lesquels beauté et laideur, déjà, faisaient l'objet d'une articulation plus complexe. La pensée esthétique italienne de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe parvient ainsi à dépasser la topique antithèse entre le beau et le laid. Du De Pictura Albertien de 1435 à la théorisation de la caricature et de la laideur idéale dans le traité de Mosini de 1646, le visage de la laideur change résolument. Au terme de cette évolution, celle-ci ne se présente plus comme le contraire de la beauté, mais comme son envers. Et l'alliage du beau et du laid ne relève plus de l'antithèse ou du paradoxe, ni même de l'oxymore, mais d'une véritable coïncidence des contraires. En effet, la doxa héritée de l'Antiquité et du Moyen-Âge chrétien, qui domine très largement dans la littérature artistique italienne renaissante, au moins jusqu'au milieu du XVIe siècle, oppose plus qu'elle n'articule la laideur et la beauté. Les deux notions sont alors essentiellement perçues comme antithétiques, contradictoires, irréconciliables. Le laid ne saurait être perçu que comme le simple contraire du beau, c'est-à-dire comme une disharmonie des parties d'un tout entre elles et avec celui-ci, et la pensée de la laideur se déduirait ex oppositionné à partir d'une théorie de la beauté qu'il suffirait simplement de renverser. Avec les traités tridentins et post-tridentins sur l'art, c'est-à-dire au cours des dernières décennies du XVIe siècle, le laid et le beau ne sont plus guère pensés comme des catégories antagonistes, mais se voient articulés sur le mode du paradoxe. Plus précisément, les belles laideurs qui émergent alors sont des laideurs auxquelles les théoriciens de l'art confèrent les mêmes qualités que celles traditionnellement attribuées à la beauté, et tout particulièrement la vérité. Pensons en particulier aux peintures cruelles et horribles représentant le martyr du Christ ou le martyr des saints, la bonté en raison de la promotion de la figure de Socrate Silène dont il a été question tout à l'heure, et surtout le plaisir dans le cas d'un approfondissement du paradoxe aristotélicien de la représentation. Avec l'esthétique baroque, la belle laideur constituera moins un paradoxe qu'un oxymore. En effet, la pensée baroque veut que l'artiste exploite volontairement la défectuosité, voire l'horreur de ses sujets, afin de manifester, par contraste, l'étendue du pouvoir transfigurateur de l'art. Ce qui constituait jadis une licence ou un écart devient la règle, la nouvelle doxa, en même temps que le fondement d'une nouvelle esthétique. Enfin, la théorisation de la caricature et de la laideur idéale par Mosini en 1646 parachève ce rapprochement de la laideur en direction de la beauté. En effet, au moins dans leurs formes idéales, la beauté et la laideur s'avèrent presque assimilables et constituées comme les deux faces d'une seule et même médaille, qui est celle de l'idéalisation. Si cette réflexion renaissante ne constitue toutefois qu'une étape, c'est qu'elle ne clôt nullement la réflexion sur la laideur. Cette dernière, en effet, ne saurait encore à ce stade constituer une catégorie esthétique à part entière, jouissant d'une réelle autonomie. Le pourra-t-elle jamais ? Le beau absorbe davantage le laid que l'inverse, en même temps que sa sphère s'élargit et se diversifie. Ce qui était considéré comme laid dans une esthétique classique précédente en vient désormais à participer pleinement de la diversité des beautés. Par conséquent, la frontière entre le beau et le laid n'est pas seulement brouillée, elle est largement déplacée en faveur d'une beauté qui n'aura donc cessé de gagner du terrain. Je vous remercie. Si cette soirée vous a intéressé, je vous donne rendez-vous le 16 janvier au Conservatoire national d'art dramatique qui nous accueillera dans son petit théâtre à l'italienne pour une séance consacrée à la beauté des corps. Merci à tous.